Oh!
qui monte. Ah oui. Ah ouais. Allez. Pas de faute. Ouais, si! Bravo! J'ai
Surtout dans l'esprit, c'est ce qu'on n'avait pas su faire la semaine dernière et on a su faire cette semaine. On a été dans l'esprit, dans l'agressivité positive et à partir du moment où on rentre bien dans les matchs, et ben forcément on se doit de faire de bons résultats et c'est ce qui a été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, on a eu le bonheur de gagner ici face à une belle équipe d'Amiens. C'est très bien, maintenant je demande confirmation sur le match prochain à domicile. Ça serait bien de gagner à domicile pour nos supporters et pour tout le club. Voilà. Ouais, belle victoire, intéressant. Comme disait Daniel à l'instant, il va falloir aussi maintenant prendre quelques points à la maison. Ça serait intéressant pour nos supporters. Gagner 1-0 à Calais, c'est parfait. Gagner à Amiens 1-0, c'est encore mieux. C'est dommage qu'on a ces quelques petits moments de faiblesse à la maison où on n'arrive pas à concrétiser notre domination sur notre terrain. Où on perd contre Grande-Synthe, on perd contre Arras, on perd. On a quand même perdu beaucoup de matchs à la maison. Par contre, à l'extérieur, depuis le début de la saison, ben on marque beaucoup de points. C'est vrai qu'on marque beaucoup de points et heureusement. Aujourd'hui, c'est un gros match. Je pense un gros match avec des garçons comme Grégoire Debuchy, le retour de Hiro Diok, qui fait énormément de bien derrière aussi. Physiquement, Hiro s'est imposé pendant 90 minutes. Le travail inlassable de José de Barros au milieu de terrain. Et puis, je pense, notre défense qui est solide en ce moment, qui est très bien. Ah oui, belle victoire. Après, moi, ça fait un petit moment que j'avais pas joué. Ça fait plaisir de retrouver les terrains. Après, voilà, on est tombé sur une belle équipe d'Amiens qui nous a proposé un petit peu de problèmes. Sinon, son travail, ça a été voilà, dans l'ensemble. On s'est tous bien battus et voilà, belle victoire. Sinon, un petit coucou à Bébé Moussa, ok? Ouais, ben c'est vrai, face à une équipe d'Amiens difficile à jouer, on savait que c'était un gros déplacement. C'est une équipe deuxième du championnat, avec des bons joueurs, techniques, rapides, on se devait déjà de bien défendre. Ensuite, on a essayé de procéder en contre-attaque, c'est ce qu'on a fait grâce à Greg Debuchy. On a mis un beau but en contre-attaque et voilà, ça s'est bien passé. Maintenant, on a les 4 points, ça va faire du bien. Confirmé à domicile, c'est vrai qu'on se déplace mieux qu'on reçoit. Donc maintenant, c'est vrai qu'il faudra bien confirmer à domicile dès la semaine prochaine en espérant qu'on fasse un bon résultat pour nos supporters. Bah une victoire logique, oui, on se devait de réagir après une contre-performance à domicile. Bah, ce soir, on a montré qu'on avait un groupe, pas les 11 qui étaient sur le terrain, vraiment les 16. Et c'est de bonne augure pour la suite. Maintenant, bien sûr, c'est bien beau de venir faire un résultat à Amiens, mais bon, il faut confirmer à domicile et
pour montrer qu'on existe dans ce championnat. Et je pense qu'avec ce groupe, on peut faire quelque chose de bien. Et j'espère qu'on le fera. Merci. La glacière. La glacière. La glacière. Une seule, ça me fait tristouner quand même. Bonsoir. Oh merde.